Mes témoins, le jour du Seigneur. À propos des 144 000. Trompette d'appel de Dieu. 29 septembre 2010. De la part de notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothée pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur. Regardez mes témoins, car ils préparent mon chemin devant moi. Voici, le jour arrive rapidement où j'irai aussi devant eux, habiterai en eux et serai constamment leur arrière-garde. Car comme les anges que j'avais placés à l'est du jardin d'Éden et l'épée flamboyante qui tournait dans toutes les directions pour garder l'accès à l'arbre de vie, de la même manière, je protégerai mes témoins au jour de la bataille. Car j'avais envoyé mes anges pour bloquer l'accès à l'arbre de vie, mais dans le jour de l'Éternel, mes serviteurs en mangeront librement, tout comme ils en seront aussi les branches, participant de sa plénitude, même de la force de sa racine. Et si mes serviteurs participent à l'arbre de vie, et que la plénitude de l'arbre habite en eux, alors qui pourra les approcher et leur faire du mal d'une quelconque façon? Car le jour approche, qui produira le commencement de la fin, et les prophètes que j'enverrai seront comme ceux qui les ont précédés, comme dans les temps anciens. Mais en aucun cas ils ne mourront. Car je mettrai mes mots dans leur bouche et les implanterai sur des nations et sur des royaumes pour déraciner et abaisser, détruire et mettre à terre, pour construire et pour planter. Car je suis le Seigneur et je ne change pas. Et tout ce que je leur fais dire, tout ce que je leur fais déclarer ou prononcer, suivra immédiatement. Et pas un mot ne tombera au sol, en aucun cas. Car chacune de leurs paroles sera comme un poignard perçant, chacune de leurs déclarations un revers large et radical, dit le Seigneur.